Activité pour les moyennes sections. Remettre dans l'ordre des wagons de la bonne couleur. Vous pouvez imprimer les fiches, donc la fiche modèle, des wagons de toutes les couleurs et des petites fiches modèles de wagons dans l'ordre. Je n'avais plus d'encre, donc je les ai juste passées au feutre. Alors, mettez à l'enfant un modèle. Demandez-lui de mémoriser les couleurs. Vert, rouge, noir, jaune, bleu. On répète plusieurs fois. Vert, rouge, noir, jaune, bleu. Vert, rouge, noir, jaune, bleu. Enlevez le modèle et l'enfant doit refaire sur le train, à côté de la locomotive, poser des wagons dans l'ordre avec les bonnes couleurs. C'est le sens de l'écriture, de gauche à droite. Donc il remet les wagons comme il a retenu les couleurs. On pose le modèle et on voit si c'est exact. Oula! Tu devais mettre d'abord un vert, tu t'es trompé. Alors, si l'enfant a des difficultés, dans ce cas, proposez-lui de retenir déjà les deux premières couleurs. Alors, retiens les deux premières couleurs. C'est. Vert rouge, vert Alors, rouge. on retourne. Puis, remontrez-lui le modèle, validez avec lui. Tu as bien mis vert, rouge, comme le modèle. Très bien. Maintenant, retiens les trois dernières couleurs. Noir, jaune, bleu. Noir, Encore. jaune, bleu. On retourne. Voilà. Et là, on remontre le modèle. Oui. Est-ce que le train est exactement comme le modèle? Oui. Vert, je t'écoute. Vert, rouge, noir, jaune, bleu. Ensuite, changer de modèle et réessayer si l'enfant a encore des difficultés, de lui demander d'apprendre les deux premières ou les trois premières et les deux autres. Au bout d'un moment, l'enfant peut-être arrivera à retenir les cinq couleurs. On essaye avec les cinq couleurs? Ouais. Alors. Noir. Jaune. On recommence. Noir, vert, bleu, rouge, jaune. Allez, on enlève le modèle et on essaye. Et on regarde pour valider. Très bien! Tu as bien mis noir, vert, bleu, rouge.